Vladimir Poutine a annoncé vendredi qu'il sera candidat à la présidentielle. Mais qui affrontera-t-il? Une inconnue défie le président russe. Elle s'appelle Ekaterina Dountsova. Une journaliste de 40 ans et mère de 3 enfants qui, malgré son peu d'expérience en politique, veut détrôner Vladimir Poutine lors des élections prévues le 17 mars 2024. Начиная от признания иноагентом до заключения, да, конечно, в отношении себя я предполагаю, какие последствия. Il lui a été demandé ce à quoi ressemblera la Russie si elle est élue. Это прежде всего Россия с человеческим лицом, это Россия не закрытая, это Россия мирная, дружелюбная. И готовая взаимодействовать со всеми на принципах уважения. И прежде всего, это уважение должно распространяться на территории нашей страны. Очень важно примирить людей, которые здесь проживают. Être qualifié au second tour serait déjà une victoire. Lancé par plusieurs militants, Our Headquarter est un groupe qui aide les Russes exilés à s'installer à l'étranger. Il accompagne également des candidats pour défier Vladimir Poutine aux urnes. C'est le seul candidat de la femme. C'est le seul candidat qui n'est pas mêlé dans qui n'a pas de, скажем так, background, работы во власти. D'autres analystes estiment que la journaliste a peu de chances d'être officiellement enregistrée comme candidate, car elle pourrait encourager le sentiment anti-Poutine.